Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Moonrise. Donc on est parti, on va peut-être tenter de continuer l'aventure après avoir réussi à choper enfin un Vulcature, chers amis. Donc oui, je suis au courant de tout ça, hop. Un petit peu d'argent, c'est toujours ça de prix. Nous avons de nouvelles quêtes, des quêtes optionnelles, non. Voilà, Find Duncan on floor 2 of the Xenari Caverns. Xenari Caverns? Où sont-elles? Xenari Caverns, Enter the Xenari Caverns, Floor 1, et on y va, on est parti. Normalement, Shrubble devrait pouvoir évoluer dans ce donjon, tout simplement. Allons-y. Oh! C'est nouveau, ça. Je te prends. Ah, par contre, on risque d'être limite au niveau des dégâts qu'on va faire. Si tu veux, bah écoute. Boum! Deux fois interrompu, prends ça dans tes dents. Et complètement noyé sous l'eau, bah voilà, ça c'est fait. Par contre, je vois qu'au niveau des trucs, on est un peu en deçà. Je te prends. Ah, on en a trop? J'aurais dû aller faire le vide. Hop. On en a trop. Voilà, par exemple, celui-là. Toi, je te relâche. Je te relâche. Gift to guild. Un petit reward. Release. Gift to guild. Un petit reward. Release. Gift to guild. Un petit reward. Voilà. 6 slugs. Il me semble que j'en ai un dans la page précédente. 3 étoiles. Voilà. Lui aussi j'en ai vu un 3 étoiles, parfait, donc je te donne à la guilde. Toi aussi je t'en ai vu. Voilà. Trash pétale, j'en ai un 3 étoiles, tu dégages. Hop. Voilà. Pot pétale, j'en ai un 3 étoiles évolué, tu dégages. Shell Fox, je te vois en double sur la même page, tu dégages. Block aide une étoile, tu dégages. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Grolé, je te vois 3 étoiles. Hop. Twing, une étoile, donc j'en lâche un. J'espère que j'ai lâché le bon. J'ai sûrement fait une connerie. J'ai 2 vulcatures, c'est parfait. 3 vulcatures, bah voilà. Parfait. Bon, bah voilà, on te prend, Kubble. Kubble qui s'appelle, c'est sympa. Que de savoir en quoi tu vas évoluer. Hop, allons-y. Shrubble qui gagne un tout petit peu d'XP, c'est vraiment rien. Hein. On verra bien au floor 2, de toute façon. Ce qui serait pas mal, c'est que ça se fasse dans la journée, quoi, en fait, tout simplement. Alors, Kindle ouf, tout ce qui est le plus classique. Et je vais envoyer. Hop. Hop. Il m'a blasté un petit coup, mais c'est pas très grave. Arcbite, sympa ça. Ooh. Pour une raison inconnue, il s'est tué, je sais pas comment. Mais je vais le prendre aussi, j'espère que... Oui, bon. Voilà, recrute. Et je pense que je vais garder les deux derniers pour le boss de la zone, qui risque d'être un rare, j'imagine. Donc les deux dernières clés, je les préserve. Ah bah non, bah j'en ai gagné une. J'en ai gagné une, donc je vais pas la préserver, celle-là. On verra bien. Une fois qu'on aura battu ce boss. Hop. De toute façon, tout ça, je connais. Pour la blague, on vous envoie tous les deux. Hop. Et boum. Je me disais qu'ils allaient être un peu plus rapides que moi. Par contre, j'ai peut-être fait une erreur en envoyant lui. Hop. Hop. Netling Cloud. Oh la vache, il résiste bien celui-là. Dis donc, mes monstres ont pris un coup dans le nez déjà dès le deuxième, dès le premier niveau. Il va falloir que j'améliore ça, je pense.
Dismiss, dismiss, dismiss. Comme d'habitude, je gagne. Kronlord gagne à Nevel. Même si Kronlord, je n'utilise pas plus que ça. Oh! Extract skill au cas où. Skill learned. Reward. Bon, Dunkey. Bah voilà, c'est parfait. C'est parfait. En cas de pépin. Oh bah voilà. Voilà, qui a l'air sympa. Boum, dans ta gueule. Sportle. Il est sympa. J'aime bien. Par contre, lui serait bien empoisonné. Exact. Hop, boum. À mon tour. Interrompu. Tu le dis si je te dérange. Eh, c'est qu'ils sont durs à battre, dis donc, eh. Faut alors qu'on les améliore, nos monstres. Oh. Non, je suis con, je l'ai dismiss. Putain, j'ai dismiss Portal. Bon, de toute façon, je l'aurai sûrement dans d'autres niveaux. Hop. Oh, tiens, une nouvelle skill. Virulent Blast. Tiens donc. Toxic Wipe. Bah voilà. Hop. Alors, allons voir ces trous du cul. Ah bah. Comme ça, ça a le mérite d'être clair, ils vont être one shot. Presque. Permanente route. Ah bon, l'autre chose. Ouh, The Dragon, je suis désolé, t'as pris tellement cher. Ah, quelques secondes près, il allait finir le combat, mais non, pas cette fois. Et deux, une étoile, bah vous voyez, ça valait pas le coup que je les garde. Parfait. Ouh, mais à tank, ça peut être sympa. Même si les tanks, habituellement, c'est plus pour les filles, si vous voyez ce que je veux dire. Manage inventory. Inventory. True inventory. Oui, je vois ce que c'est bon, je me souviens maintenant. Hop, toi je te vends. Toi je te vends. Toi je te vends. Les trucs que j'ai en double. Je les vends aussi. Et celle. Voilà. Bon alors, défaite 3 stones Solaris, c'est bon. Si vous voulez me donner mes récompenses. Oui, non, non, oui, je sais pas, c'est à vous de voir. Hein. Bon. Ah, ça y est, mes récompenses. Merci. Celle-ci aussi, merci. Et donc, on avait dit qu'on allait améliorer nos solaris. Fais certain que t'évolues, toi, par contre. Alors, upgrade. Ouh, armure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sinon, c'est au niveau 2. Hop, voyons voir.
Voilà. Oh, Némonox, t'es niveau 1. On va changer ça, mon pauvre. Hop, voilà. Bon, déjà ça te fait, ça devrait être un peu mieux. On retourne dans les cavernes. Et on fait le petit niveau 2 quand même. Je vais pas vous laisser sur votre faim, chers amis. Ok, c'est parti. Oh que c'est moche. Je crois que j'en ai, hein. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois que j'en ai. Hop, tu n'y échapperas pas. Boum. Quick fire. Ouh, ouh, il a pris cher. Bon, on l'a eu. Zabragon a pris cher. Et c'est un de mes meilleurs. C'est assez violent. Je manque d'entraînement. Derrière cette porte se cache un cadeau. Génial. Top Moumout. Derrière cette porte se cache un combat. Génial. Top Moumout. Toujours aussi moche les... Ah non, c'est un évolué, c'est un de feu en plus. What? Wouah! Il a pris tellement cher. C'est limite si je m'en inquiète pas pour lui, quoi. What? Je rêve où il a brûlé tous ses potes. Il me plaît ce leglé là. Je te prends, je t'emmène. En plus t'es laid comme ton nom l'indique, donc c'est parfait. Wouah. Désolé Zendragon, t'es mort pour la fin de la... Oh la vache. J'en prends tellement dans la gueule. C'est fait défoncer. Y a pas d'autre terme. Hein. Hop. Heureusement que je t'ai rajouté de la vitesse, hein. Hop. Pourquoi il s'est fait défoncer tout seul, mais vraiment c'est pas grave. Crushing Surge. Hop, ouh. 3 étoiles, je te prends. En fait c'est con mais j'aimerais bien l'avoir sur un téléphone ou sur une tablette ce jeu. Ça permettrait d'y jouer un peu plus souvent en fait. Vous savez, d'améliorer par exemple les autres équipes. Parce que bon, être devant le PC en plein été, voilà quoi, c'est bien, mais bon. Ça a ses limites. Allons-y, le boss. Génial, génial le boss, j'adore. On voit les deux zigotos. Hop, on commence par là. Hop, on commence par là. Et Némonox est toujours le dernier. Immune, ah d'accord. Bah comme ça, ça a le mérite d'être clair. Pas comme si vous étiez pas résistant, vous êtes carrément immunisé. C'est cool, non mais c'est cool, ne vous inquiétez pas, c'est... je vais faire avec. Soigne ton pote. Avant que sa fin n'approche. Non c'est bon.
Bon, niveau 2 terminé. Shrubble va-t-il gagner un niveau? Ouh, avec Bert niveau 3, je le prends. Avec Bert est le meilleur. You win. Ah, il y a un poil de cul d'y arriver, c'est dommage. Oh, Kurada Vest. Ça a l'air sympa. Donc on a... Voilà. Je suis extrêmement chanceux que vous trois ayez pu me trouver. Je suis extrêmement chanceux que vous trois ayez pu me trouver. Je me sentais un petit peu piégé. Ma théorie est que les Lunari sont... que vous avez juste battu, que vous venez juste de battre, ont chassé en fait simplement les Kindle Oof de ces caves. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les gens s'écartent autant des donjons de ce genre. D'accord. Travailler avec le Guildmaster Ibly me rappelle que j'ai négligé mes recherches récemment. Si je pouvais avoir quelques Solari de type roche sous les yeux se battre contre un autre, enfin entre eux, ça pourrait être sympathique, ça pourrait m'aider. D'accord, pourquoi pas, bah retournons à la... bah non, pas là, j'ai envie de retourner à la Kurada Colony, oui. Je vais pas me changer dans le désert quand même. Warden, Steel, qu'est-ce qu'on a au niveau des tops? On avait ça, ça c'est assez moche. C'est pas trop mal. Oh la vache, faut que je fasse toute la couleur. Ah la vache, je peux pas changer toute la couleur du truc. Naze. Bon. Alors, est-ce qu'on a autre chose au niveau des Solari qu'on a? Est-ce qu'on a des choses? Alors, deuxième équipe, je vous la montre. C'est ça, à la base. À la base. Ça peut être sympa. Bon, sauf ça, ça peut être très très moche. Je crois que niveau type flotte, je dois pas en avoir des masses en fait. Si, maintenant j'en ai quelques-uns, mais ils sont assez laids quand même. Je vais prendre un Pester Claw à la place. Hop. Voilà. Bon bah écoutez les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie une fois plus d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur le site, donc à travers le lien que vous pouvez trouver donc aussi dans la bannière de la chaîne, sur mon partenaire gamesplanet.com pour voir si vous voulez avoir des jeux un petit peu à moins cher, pour avoir jeté quelques petits regards dessus de temps en temps. C'est vrai que leurs prix sont assez intéressants. Quant à moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!